tout. T'as l'œil ou tu l'as pas. C'est de l'arnaque. Les amis, bonjour. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à non pas mettre un pouce bleu, abonnement et tout ça. Ça, je vous laisse bien sûr guise de faire votre propre choix. Mais ça va être toujours plaisir, hein, n'hésitez pas. Ma femme, la gaz. Non les gars, plus sérieusement, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire un petit point important, décisif pour le reste de cette vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va vous parler de la gaz, une arnaque, du sens où tu payes cette bécane 8 000-9 000 euros, ça dépend si tu l'as en caisse ou en concession. T'as pas de traction de contrôle, t'as pas les pistes de cartographie, t'as pas de compteur d'heure, bon ça je l'ai dit dans la vidéo, t'as pas de graisse sur les axes. Les salauds. Donc voilà, en fait c'était une petite vidéo pour vous expliquer un peu que les gaz c'est nouveau, en fait c'est des nouveaux modèles, c'est des nouvelles motocross qui arrivent dans le game et tout. Donc avant que vous achetez, au moins vous êtes au courant un peu de la chose. On paye certes 1000 euros de moins par rapport à une KTM, mais les gars il y a beaucoup moins de produits. Alors où je vous parle, on a déjà pris un peu d'avance. Là pour vous dire un peu la chose, on a un peu de vidéo d'avance. On a bien charbonné avec Bécure. Bécure c'est mon salarié hein, maintenant je le paye tous les mois les gars. Ah bon. Oui, on s'arrange fin de mois. Pour vous dire un peu la chose, la gaz est déjà transformée. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Dimanche, sur la vidéo où on ouvre toutes les pièces de la gaz. Vous allez voir, il y a de la pépite. Il y a de la pépite. Juste, il manque un truc, c'est les têtes fourches. Il y a des usines, les gars, qui sont en rupture de métal. Donc mes têtes fourches, je les ai toujours pas reçues. Je les ai commandées à 2 mois. Autre chose. Youpi. Dame Sport. C'est fumier chez Dame Sport. Ils m'ont. Easy. Ils m'ont mis de bite 2 cartons. Lui, il y a le moteur là. J'ai le moteur de la 50. Pép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 
dis, c'est la chaîne Scooby Brap, les gars. Tu fais de la mécanique sur des motocross, tout ça. D'ailleurs, si t'es emmerdé sur ta bécane, tu trouves pas un coup, tu tapes Scooby Brap et le nom de ta moto. Et tu regardes, il soumont, il démonte les moteurs complets et tout. C'est très très bien aiguillé. Et il te parle de tous les problèmes et tout. Donc c'est super cool. Et moi, j'ai appris plein de trucs grâce à lui. Donc merci à toi, copa. Et donc je disais, c'est lui, il a démonté une gaz-gaz. Et il s'était rendu compte que tous les axes n'étaient pas graissés. Tous les billets n'étaient pas graissés. Enfin, c'était un peu la merde, quoi. Donc pour une gaz-gaz à 9000 balles, les fumiers mettaient un peu de graisse en usine. Je sais pas, moi. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Et puis ça permettra aussi d'amorcer la préparation. Parce que les gars, je peux pas rouler là. Ça fait moi un mois et demi, j'ai pas roulé, gros. Je rêve que je roule. Je rêve que j'ai le niveau à faire en 10. Tu sais, que je saute à 6, des trucs de ouf et tout. D'ailleurs, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais à l'homme plage sur un terrain où Touquet, avec Romain, on roulait comme des malades en 125. On était en fond de 6. On sautait comme ça et tout, gros. Je me suis réveillé, j'étais dans mon lit, mais ouais. Donc là, on va tout démonter. Et ça va amorcer la préparation, mon pote. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon voilà les copains, on a démonté la gaz à gaz de A à Z, regardez il reste plus rien. On a démonté tout le système de biellettes, là on en a chié pour la mission, le cornet là il était super rigide, on a démonté tous les cosses. Putain tu dirais qu'une crosse il n'y a pas de pièce électrique, rien, mais en fait c'était un bordel. On a tout le temps bien remis les vis dessus, comme ça on perd rien, tout est propre. Du coup on a accès à un putain d'amortisseur, là j'ai juste envie, c'est de l'envoyer à l'atelier 216, qu'il me passe une petite dinguerie. Putain Tom, fais-moi un petit bien plaisir quoi. Et je sais pas Tom, tu fais pas par hasard les trucs de fourche, hein? Dis-moi, vraiment au hasard. Hein. Atelier 216, les gars, c'est celui qui a fait tout le moteur de la 50, qui a fait toutes les pièces de la 50. Vous avez bien vu l'unboxing, c'est une pépite, de toute façon vous allez voir, le moteur il arrive bientôt. Et du coup, on a démonté les roues avec Bécure et tout. Là le disque il est enlevé, le disque il est enlevé. On est arrivé sur les axes. Axe de roue arrière, qui était déjà monté sur la roue, la moto dans la caisse, donc nous on l'a pas graissé. Regardez, donc il y a très très peu de graisse, et quand je les suis, regardez les traces qu'il y a de... Regardez les traces d'usinage déjà là, oh, ça a déjà été marqué là, regardez en haut. Oh. Comme quoi, tu vois les gars, quand vous achetez une moto en caisse, il faut absolument démonter et graisser les axes tout de suite, mais moi c'est un peu trop tard. Ça c'est l'axe de la biellette, donc pareil là, plein de traces les gars, ça a été bien marqué déjà, putain je suis étonné. Mais non. Bon. Et là on arrive aux biellettes. Donc là les biellettes on va les démonter vite fait. Et on va voir la tête qu'ils ont. Il n'y a aucune graisse dessus les gars d'origine. Aucune graisse. Et du coup bah marqué. Comment il était bien marqué. Oh les salauds, tu payes une bécane à des milliers d'euros mec. Bon là j'ai un peu de graisse sur la biellette. Moi j'ai un peu de graisse sur la biellette, on va pas se mentir. Quand même, on va pas non plus abuser. Voilà, moi ça, j'avoue, c'est graissé. C'est pas graissé à la mort. Donc là, moi, je vais nettoyer, je vais graisser derrière. Attention, roulement de tambour. Tac, ça va là. Ça va là. Voilà, regardez. Moi, ça vous, c'est graissé aussi. Ça, c'est graissé. Et c'est graissé aussi à l'intérieur. J'en remettrai, mais c'est graissé. Donc j'ai eu un peu de chance pour la cage aiguille. Je crois que le Scummy il avait pas de graisse du tout. En fait c'est tout con les cages aiguilles, c'est ce qui me faisait un peu peur. Mais tu mets tes caches, tu rentres la cage à la presse, tu graisses, terminé. Hein. Bon, en même temps on a un petit atelier, on peut bosser maintenant, ça tue. Du coup là, nous on va finir de démonter les cale-pieds, le poste de pilotage. Les gars, je pense que dimanche je vous sors la vidéo où on ouvre tous les colis de gaz avec Léo et Romain, normalement. Ils sont pas tout le temps là, je suis avec Bécure tout le temps ici. On va aussi regarder ici si c'est graissé, mais regardez.
ça dégueule déjà, donc je pense que la colonne pense qu'elle est graissée. Putain, je kifferais un traitement anti-friction de toutes les couleurs ici. Une prépa suspension, une anodisation des tubes, une préparation de l'amortisseur, une anodisation d'un traitement anti-friction sur Suissa, anodisation du truc, peinture du ressort et tout ça, je kifferais. Ça, ça me ferait kiffer de ouf. Ça, ça me fait bien plaisir, rien. Choin de bœuf sur choin de bœuf, je suis francicoutier. Yo! 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 C'est quoi, dis-toi, un L, toi? Un M? Allez. Ça rentre pas, ça rentre pas, j'ai commandé mes enveloppes là. Merci pour le soutien, je vais aller faire un tour chez le monteur. Oh le monteur, la vidéo là. Voilà. En plus il déroule chez Yamaha, le traître. T'es un traître. C'est quoi ça? C'est un fond d'écran. Gna là. C'est un fond d'écran. Allez, fais le montage là, bisous, je vous aime les amis. Abonnez-vous à mon Instagram, MicoPro officiel. BQ avec 3R. T'es bâtard, tu connais. Mais gros, tu postes jamais rien. Vas-y, regardez, regardez mon monteur, chef de service. C'est moi. Ça va aller sur ma porte, ça, du coup. Non, ça, c'est à moi. Ah, mais deux petites vis, ça s'enlève et c'est bien. Non, c'est à moi. Allez, bisous, à la prochaine. Je vous aime. Abonnez-vous, hein. Mettez un pouce bleu quand même pour le plus bien.